Bonsoir à tous, je coupe la musique, bonsoir à tous, ici Draken sur Riva Sound Studio. On se retrouve ce lundi soir pour du BioShock 1 Remaster. Nous allons continuer notre petite histoire, mais avant ça, merci à Jake Ivasound pour son abonnement de 8 mois. Merci beaucoup. Alors, je suis un peu en retard de 3 minutes, je suis désolé. La tarte a mis du temps à chauffer. Ce n'est pas un nom de code. Alors, j'espère que ça va bien chez vous. Pardon. Bon, ça va, tout va bien. La journée s'est bien passée. Et on va pouvoir... Oh, pardon, excusez-moi. La mousse du casque qui me rentre dans l'oreille, c'est pas très sain. Passez une bonne journée. Et sur ce, nous allons continuer notre aventure. Donc sur BioShock 1 Remastered. Le jeu arrive, ne vous inquiétez pas. Tac et tac et tac. Alors, on en était arrêté où ? On était donc, nous avions le personnage de Jack qui arrivait à Rapture, rencontrait Atlas qui nous demandait de sauver sa famille car la ville était en proie au chaos. Andrew Ryan, le dirigeant des lieux, a tout fait sauter. Là, surtout, la bathysphère qui contenait la famille de Atlas. Et du coup, Atlas veut se venger. Pour ce faire, il nous demande de passer par la forêt de Rapture. Sauf que, manque de bol, Monsieur Ryan y détruit la forêt. Et le seul moyen de la sauver, c'est qu'on doit aller chercher des composants. Donc ce soit une bave, de la bave d'abeilles et des fleurs, si je dis pas de bêtises, ou de l'eau cristallisée. Et nous allons donc les rechercher dans le marché champêtre. Et c'est parti. Alors, et voilà, le marché champêtre, nous en étions arrêtés là, au dernier épisode. Alors... dans le niveau, nous avons un Big Daddy à tuer pour récupérer une petite sœur. Donc du coup, si je dis pas de bêtises... Voilà, c'est ça. On devrait récupérer de l'eau distillée et de... Enfin, c'est de la... Je dis de la bave d'abeille, mais c'est de l'enzyme d'abeille. Alors... Ma chère Julie, j'essaie de faire des affaires. Si vous voulez passer du temps avec mes abeilles, je vais devoir vous faire payer ce plaisir. Si je vous trouve encore une fois en train de traîner près de mes ruches, je vais chercher mon fusil. Pour ce qui est de votre fusil, j'ai déjà le fusil. Alors... J'ai oublié mes cours de l'école d'apiculture, mais je crois me souvenir de quelque chose au sujet de cette enzyme dont vous parlez sans arrêt. Ça sent l'attaque contre le Big Daddy. Ah non, c'est pas le Big Daddy. C'est la tourelle qui fait mal. Aïe. Faut que je me remorde. C'est là. Tiens, voilà. T'arrêteras de m'embêter. Maintenant. Pof. Ah, le boost du fusil est pas mal. Hein. Alors, ah mais non, en fait, c'est lui qui lançait des roquettes. D'accord. Ah non, c'est bien ça, il y avait une tourelle. Alors, oh, un nouveau plasmide. Alors, récupérer plus d'Eve avec chaque trousse de soins grâce à la liaison d'Eve version 2. Oh oui, on l'améliore. Alors, qu'est-ce que c'est, grenade frag? Qu'est-ce que je peux créer? Bonjour. Ah oui, c'est vrai que j'ai du napalm. Il y en a un qui contrôle une tourelle, si j'ai bien vu. Alors, hop, on va pas se faire attraper par là. Allez, la caméra. Voilà, la caméra va pas nous embêter. Le petit voxophone, je vais pas prendre le marlot parce que sinon je vais voir flou. Alors, est-ce que je peux te pirater, toi?
de te pirater plusieurs. Oh non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Nous avons tous posé la main sur une grande chaîne. Ah là, j'ai cliqué sur terminer. J'ai fait une bêtise. Alors, ça c'est déjà fait, c'est parfait. Nous allons arriver là, là, et voilà. Nous tirons tous, et elle nous tire. Voilà. Ces enfants sont une abomination. Si j'ai oublié de me pirater, le coffre en plus c'est pour l'or. C'est le piratage. Alors, qu'est-ce qu'il a? J'ai trouvé ça. Alors. Ah bah, monsieur P. Monsieur P. Allez, tapez monsieur P. Voilà, ils vont taper monsieur P. N'oublions pas. Hop, en action. Je vais augmenter. Alors, nous avons une faiblesse cachée, mais avec l'expérience. Augmentez-nous les scores de recherche à trouver sur les photos. Ouh. J'ai rien fait, moi j'ai rien fait, monsieur. On va le tuer parce que sinon il va me gêner. Alors, monsieur P, il est pas content. Tac. Hop, les munitions électriques. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Je vais mettre une échelle. Aïe, aïe. Ah oui, c'est vrai, la tour. Ma tourelle va. Et voilà. Et donc, du coup, on n'oublie pas de sauver la petite sœur. Comme ça, on a la vraie fin du jeu. Et hop, en fait, on détruit la limace. Pardon. On détruit la limace qu'elle a à l'intérieur d'elle. J'ai récupéré quelque chose. Et cette petite sœur redevient une petite fille. Donc, on va aller par là. Comme ça, je peux me balader. Oh, une courge. Vous voulez une courge? Hop, le coffre autopiratage. On va pas s'embêter. On va pas s'embêter, hein. Vous êtes d'accord avec moi. Des pellicules pour les caméras, c'est parfait. Donc on peut voir que le fromage, il est bien moisi. Alors, toi, on va te pirater. Ce qu'il faut quand même. Que je gagne des sous-sous. Alors, il faut que je casse ça ici. On est bon. Alors, il faut aller là. Il faut aller là. Bon, j'ai cru qu'il allait m'en manquer un. Et on est bon. Et du coup, je vais pouvoir acheter des choses. Ça, j'en ai assez. Voilà. On va tenter. Ça fonctionne, hein. Ça fonctionne parfaitement. Aïe. Évidemment, comme on peut le jouer. Ouais, j'aurais pu utiliser. Ouais, j'aurais pu utiliser. Ah, en fait, ils ont tué le. Oh non, ils ont tué le Bidali. J'aurais fait pareil, hein. Moi, je l'aurais fait pour une bonne cause, sauver la petite sœur. Une fillette est venue s'asseoir sur mes genoux. Je l'ai repoussée en criant. Ne t'approche pas! Je peux voir la dent épais et vert dégouliner du coin de sa bouche. Elle a les cheveux crasseux et ce regard lointain. Je ressens cette haine en moi, bien plus forte que tout ce que j'ai connu. Hop, alors ça, c'est, je les ai jamais vus encore, c'est... Ah si, c'est les Houdini, en fait. Que notre cher Tenenbaum qui parle de ses créations, les petites sœurs, mais en fait qui les déteste. Enfin, les déteste. Donc là, j'ai pas besoin de me battre contre lui vu que j'ai déjà récupéré la petite sœur. Alors, on a récupéré déjà une eau distillée sur 7. C'est parfait.
Oui, donc voilà, pour le vecteur laser, il faut ça. On va prendre les chevrotines. Donc, il va me falloir de l'eau distillée. Ceci, on va le pirater. Comme ça, on va pouvoir passer dedans. Je vais récolter les sous-sous. Hop, on va voir que Rapture prend l'eau. LOL. Évidemment, c'est une ennemie de sous-marin. Alors, on va continuer pour aller chercher le lot distillé parce que. Voilà. On a une eau déjà. Il y a déjà deux eaux distillées. On est bon. Mais même au fond de cet aquarium géant, un homme doit garder une certaine dignité. Le minable de chez Worley, là, le négociant en vin, eh ben il met de l'eau dans sa piquette. Alors, c'est quoi qu'il y a là-bas? Quand je l'ai confronté avec les faits, il m'a répondu: Worley, vous inquiétez pas, Pierre, c'est de l'eau distillée. Ça pourrait être pire, j'aurais pu prendre l'eau de l'océan. Voilà, donc avec la caméra, on a appris que. Voilà, donc en gros, on peut voir que grâce au voxophone, on apprend entre guillemets que notre cher vendeur de vin. Alors c'est l'ancien. Distiller son vin avec de l'eau. De l'eau distillée. Et du coup, on va pouvoir continuer. Tais-toi, t'es une bombe. Les enfants doivent rester fonctionnels pour produire efficacement là-dedans. Donc j'en ai récupéré un. On en avoir encore deux. Même je crois. Avec ces implants dans leur estomac, voilà. Ce sont toujours des enfants. Hop. Ils jouent et ils chantent. Ouh. Parfois, ils me regardent et ne s'arrêtent pas. Parfois, ils sourient. Ils sont vulnérables au feu, les ennemis. On va les tuer avec du feu. Bon, je pourrais utiliser de l'azote. Hein. Ils sont en train de taper le. Qu'est-ce qui fait courir la fille? Notre cher monsieur P. Mais on va pas l'embêter. Ça sert à rien du tout. Puisqu'il est gentil tout plein avec nous. Et j'ai déjà récupéré la petite sœur donc. Ça sert à rien du tout, je vais recharger ma palme. Parce que du coup, notre cher monsieur P, en fait, il va aller au. Ah oui, tiens, il veut juste jeter dans l'eau, je sais pas. Ah oui, alors, qu'est-ce qu'on améliore dans les arbres? La cadence du fusil à pompe. Et en plus, je récupère une munition, c'est parfait. Du coup, oui, monsieur, notre cher Big Daddy, ça sert à rien qu'on le tue parce qu'en fait il va aller aux embranchements de là où enfin les ventilations pour aller récupérer les petites sœurs mais en fait il va taper à l'embranchement mais comme il n'y a plus d'autres petites sœurs bah, il n'y en a aucune qui va sortir. Toi qu'est-ce que tu as là? Mission c'est parfait. J'ai joué au fusil à pompe. Et du coup, voilà, on récupère plein de petites sœurs, en plus un plasmide en plus. Alors, tous les photographes. Alors, on fait score de recherche attribué pour les photos. Et ben, ah oui, mais d'accord, j'ai. Ah oui, d'accord, donc j'ai. Ah, d'accord, comme j'ai piqué le. Comme je l'ai volé, ils ont mis un système d'alarme. Ah oui, d'accord, à ce point-là. En fait, j'aurais pu faire ça. Voilà, je vais le casser, mais il fonctionne toujours. Allez, continue. Alors, par contre, je vais pirater, ça va être simple. Tac, tac, tac. Alors, ça va être simple. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Non. Hop. Qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Oulala. Toi, c'est là. Toi, c'est ici. Toi, c'est ici. Toi, c'est ici. Et voilà.
Voilà. Toi, tu vas pas m'embêter. Niveau distillé, j'en suis à combien? J'en suis... Ah bah, j'ai fini mes œufs distillés, il faut que je trouve des enzymes. Donc je vais devoir aller, je pense, récupérer des enzymes. Ah bah, j'en ai encore, en plus. Bon, c'est pratique. Hop, comme ça on va améliorer notre score. Les items, c'est toujours bien. Plus on en a, mieux c'est. Oui, buvez. Oula, mince. Buvez pas trop d'alcool, c'est pas bon pour la santé. Comme vous pouvez le voir. Alors. Ah d'accord, elle m'attendait en haut en plus. C'est quoi ça? C'est une ampoule. J'ai peur. Lui je l'ai fait. Donc ça, je vais me recharger la vie. Salut Marie, tout va bien? Tu savais qu'on pourrait y avoir. On peut continuer. Et allons chercher nos enzymes. Tiens. On va embêter autant lui. Par contre j'ai trop de napalm. Oui. On va attendre un peu, sinon je vais prendre des dégâts. Mais ça va être un peu, ça va être un peu gênant. Petit ionique. Ah, j'ai envie de tester. Voilà, donc les abeilles sont présentes. Voilà. Où elles me font des dégâts. Nos chères abeilles vont m'embêter. Alors, nuit d'insectes. Là, j'en ai un insecte qui attaque plusieurs ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'en ai que 100. Oh, je vais prendre la passion en plus. Et bon, ça, je l'ai déjà vu. Demi-main. Voilà. Alors, demi-main, je crois qu'on peut avec l'azote. Oui, oui, voilà, il faut prendre, faut mettre la fumée. Faut les enfumer, sinon. Il faut que je fasse souvent. Parce que vous voyez, il y a un petit timer. Et du coup, Ryan va nous envoyer ses gros zombies à chaque fois. Oui. On va se faire attaquer. Wesh, je prends cher quand même. On va refaire. Alors, toi c'est fait. Normalement il peut pas me taper. Allez. Voilà, j'ai trouvé de l'enzyme. Il faut qu'on aille vite parce qu'on a un timer. Et du coup en fait à chaque fois qu'on ouvre un. À chaque fois ils vont nous embêter. Allez, avance. C'est pas grave. Alors, j'ai pas trouvé. Ah si, j'ai trouvé toutes les enzymes. Donc du coup, c'est fini. On va pouvoir aller. Voilà.
Donc en fait, on va pouvoir créer notre cher. Voilà, je vais juste récupérer mon napalm. Et voilà, donc je vais juste avoir une station manufact pour pouvoir créer. Alors, fusil, c'est parfait. Par contre, je vais devoir acheter également. Rien du tout. Il détruit les cellules natives pour les remplacer par des cellules souches instables. C'est cette instabilité qui lui donne ses propriétés étonnantes, mais qui entraîne aussi des dommages cérébraux et cosmétiques. Il faut de plus en plus d'adorants pour tenir le coup. D'un point de vue médical, c'est une catastrophe. D'un point de vue commercial, Fontaine a tout compris. Hop. Comme elle le dit, en fait, là-dedans, ça rechange votre ADN complètement. Alors, il me faut un poste manufact. PVTU. Alors, ouvrons la map. Manufact. Il y en a juste là-bas. Il est là-bas. Donc, allons ça. Parce que toi, ouais, tu me donnes des trousses. Par contre, je vais pirater. Ça me donne de la vie. Par contre, je prends des. Parce que là, je suis. Et ça. Pour le prochain. On a créé notre vecteur laser qui va nous permettre de sauver les arbres. Que vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'un vecteur laser flambant neuf. Placez ce vecteur dans une machine appelée le contrôle central de communication et il marchera si vous voulez. Le vecteur laser, hein, comme son créateur, laser qui était immortel. On va pouvoir continuer. Là, hop, allons vers l'Arcadie pour réparer les arbres, parce que bien évidemment s'il n'y a plus d'arbres dans Rapture, plus d'oxygène, donc tout le monde y meurt. Toutoutoum. Alors voilà, inutile de lutter contre l'inévitable, bientôt oui. Vous n'aurez plus d'oxygène. Donc on va se faire taper par les tourelles, en fait ça va sonner à chaque fois, hein, jusqu'à temps qu'on arrive. J'ai déjà fait les petites sœurs, donc lui je vais pas l'embêter. Ça ne sert à rien. Et en fait l'alarme elle va toujours remonter, ne vous inquiétez pas. Tant que j'ai pas fait le projet laser, l'alarme va remonter, c'est Andrew Ryan qui veut nous mettre des bâtons dans les roues. Ce qui est normal. Voilà. Oui. Donc on retourne au labo de la professeure qui voulait nous aider. Et il y a plein de caméras méchantes. Voilà, donc les caméras sont déjà contrôlées, hein, ne quittez pas. Et on va pouvoir administrer le projet laser pour réparer les arbres. Enfin, remettre les arbres correctement. Bonjour monsieur. Au revoir monsieur. Donc la professeure qui était ici, qui a bien fouillé son cadavre. Voilà. Langue forte. D'abord à Berkeley dans les années 20, puis ceux des Japonais à Iwo Jima en 45, mais je n'en avais jamais ramené un de la mort. J'ai réussi. Maman va fabriquer son premier arbre. Je vais baptiser ma création Vecteur Lazare. Voilà. Elle pourra peut-être remettre ma carrière sur les rails. Donc du coup, le produit est en cours d'administration. Du coup, on peut voir en fait que le temps que le projet soit avancé, et en fait, Andrew Ryan va nous envoyer des chromosomes à foison.
Sauf que manque de bol. Ils vont rentrer. Aïe aïe aïe. Du coup, on va les pirater. Ça, ça va nous aider. Et comme ça, s'ils arrivent, ils vont tous se faire tirer dessus. Ça va être bénef pour nous. Alors, toi là, ici, celui-ci, faut pas que je me trompe parce que j'ai oublié. Tac. Sur le côté. Ah bah là. Voilà, ils sont déjà en train d'entrer. On peut voir, on va essayer d'ouvrir les portes. Voilà. Le petit colis. Hop, on va fermer l'accès. Oh la boue. Et du coup, oh là là, oh là là. Oh là là. Non, pas mal. On peut redire merde. J'ai attaqué le protecteur. Non, c'est pas tranquille. Voilà. On va tester la solution ionique. J'ai fait une bêtise. J'ai paniqué. Pas m'embêter maintenant. Alors on va récupérer justement ce moment tranquille. Donc ça c'est pour moi. Et c'est pas là. Oui. Donc, je vais pousser les forces de rayon. M'embêter longtemps. Allez. Allez. Laissez la forêt tranquille. Salaud, il s'est caché juste derrière. Aïe. Non, non, c'est pas moi qui t'ai tapé. C'est moi tranquille. Non. Ah, je fais carrément plus de dégâts avec les missions. Bon, bah, je vais se tuer. Voilà. Alors, on va aller. C'est pas par là que je dois aller. De chemin. Non, me tape pas. Je sais que je la pirate, celle. Si je la pirate pas, c'est sûr que ça marchera pas. Tac. Ça serait mieux comme ça. Hop. Hop. Voilà. Que je fais pas de bêtises. Comme ça et comme ça. Voilà, pour ça déjà, elle va m'aider. Ah, c'est qu'elle envoie les tourelles du coup. Ah, la moitié. J'ai plus de vie aussi. On va mettre des mines. Par contre, ouais, non, mais non. Donne-moi de la vie. Hein, allez, tant pis. Ouais, donne-moi des choses de soin parce que. Je vais mourir, moi. Voilà. Allez-y, prenez-vous les mines. Ils vont
se prendre une petite haine. Allez, viens là. Venez ici, chers amis. N'essayez pas de vous jeter dans l'eau. Mais ils ont détruit mes tourelles. Le vecteur est-il prêt? Voilà, on a réussi à passer le niveau. C'est compliqué, hein, vache. Alors, donc le vecteur laser est prêt. On va pouvoir le libérer dans une voiture. Et voilà, vous pouvez voir que les arbres repoussent. Alors on est parti, on va aller du coup dans la maison de Ryan. Et du coup je pense que pour la VOD on va se stopper là. On a pas mal avancé. Ici. Et du coup je peux récupérer une mitrailleuse. Je ne vais pas vous embêter monsieur Dani. Laissez-moi tranquille là. Alors, c'est parti. En effet, c'est des beaux cadeaux. Donc, nous allons aller au métro. Se fait-il que vous résistiez aussi bien aux méthodes canoniques de séparation de l'âme et du corps? Vous n'êtes pas de la CIA, je me trompe? Vous appartenez à Atlas, le seul cafard qui semble résister à l'extermination. Ne vous inquiétez pas. Le temps que je trouve le bon poison, ce sera fait. Et du coup, nous voilà dans le métro. Pour ceux qui sont sur la VOD, je pense qu'on va s'arrêter là, je vais la couper en plusieurs morceaux. Donc je vous dis à la prochaine, cordialement, bisous.